Au lendemain de son élimination de Masked Singer, Zhao, qui se cachait sous le masque de la sorcière, a répondu à nos questions sur sa participation à l'émission de TF1. La sorcière s'est enfin dévoilée hier soir sur TF1. Depuis plusieurs semaines, TF1 propose chaque vendredi la 5e saison de Masked Singer, avec à chaque numéro le démasquage d'au moins une personnalité. Ce 12 mai 2023, si est-il la sorcière qui a finalement dû enlever son masque et dévoiler son identité. Sous ses habits sombres et menaçants se cachait la chanteuse Zhao, qui vient tout juste de sortir un nouvel album, intitulé Résilience. Pour Télé Loisirs, elle a accepté de revenir sur cette expérience unique. Zhao touché par Kev Adams, il était trop mignon à chanter tout mon répertoire Télé Loisirs, quest ce qui vous a donné envie de participer à Masked Singer? Zhao, si est-il le fait qu'on soit masqué, et que ce n'est pas un concours de chant, le but est de s'amuser. Si est-il vraiment me mettre dans un rôle, essayer de tester un peu l'inconscient collectif par rapport à mon timbre de voix, voir si j'étais cramé ou pas, et effectivement, je suis très cramé, rire. Et puis ce qui m'a aussi donné envie de le faire, si est-il le fait de regarder de temps en temps l'émission et de trouver ça sympa. Si est-il une émission familiale, et j'avais une amie qui l'avait faite l'année passée, la boxeuse française Estelle Mosley. Je trouvais ça marrant de la faire et d'être dans le secret aussi, de ne le dire à personne, de voir jusqu'où cette aventure peut nous mener. Comment avez-vous vécu le fait que les téléspectateurs vous aient reconnu immédiatement? Rire. C'était quelque chose auquel je m'attendais. Quand, au début, j'ai été approché pour faire l'émission, je leur ai dit vous savez, je tiendrai pas une émission, je vais être éliminé à la première, vu que j'ai une voix très particulière. Mais ce n'était pas grave, ça n'est pas un concours de chant où j'aurais été amer si je ne gagnais pas, rire, on ne juge pas les performances, on juge le costume, le personnage que l'on représente. Si est-il aussi avoir du second degré, du recul, pour m'amuser. Par contre, j'ai été agréablement surprise que malgré ça, le jury a quand même voté pour que je reste. Sachant que dès les premières notes, Kev Adams m'avait reconnu. Si est-il plutôt sympa d'avoir fait 4 émissions. Ce n'est pas donné à toutes les personnalités d'être autant reconnues. Ça veut dire que j'ai assez marqué musicalement les gens, qu'ils m'ont assez écouté pour me reconnaître. Ça fait plaisir. J'ai bien vu la réaction de Kev Adams que j'ai eu envie de prendre dans mes bras, car il était trop mignon à chanter tout mon répertoire. Mais je devais faire semblant que ce n'était pas moi. J'ai reçu beaucoup d'amour, de la reconnaissance qui me fait plaisir. Et puis, c'était cool de toucher un public qui ne me connaît pas du tout, car il n'y a pas que des gens qui écoutent du Zhao qui regardent Masked Singer, donc si est-il l'occasion de faire découvrir ma voix à d'autres personnes. Et je le vois sur les réseaux sociaux, certains m'ont écrit pour me dire qu'ils trouvaient les covers très sympas et qu'ils étaient beaucoup touchés. On sent que Kev Adams est très fan de vous. Oui, il avait dit que beaucoup de mes chansons l'avaient beaucoup aidé à passer à travers des moments vraiment difficiles dans sa vie. Que je l'avais accompagné indirectement via quelques chansons. Que ça soit lui ou quelqu'un après un concert qui me dit ça, ça me touche énormément. J'ai l'impression d'être utile, d'avoir une raison de faire ce que je fais, qu'on peut joindre l'utile à l'agréable.
le fait qu'il soit sincère et ouvert, alors qu'il aurait juste pu jouer son rôle d'enquêteur et ne pas se livrer, il a été dans la confession, il m'a touché, sauf que je ne pouvais rien faire derrière mon costume. Et puis c'était marrant de voir la réaction des gens qui étaient complètement hors champ, comme Michel Bernier qui suggérait Isabelle Boulay, rire. Je me suis posé des questions, car bien que je sois aussi et surtout algérienne, je suis aussi canadienne, alors je me suis demandé si je n'avais pas un accent. Il fallait justifier les disparitions, pourquoi Zao a vendu la mèche de sa participation à Mask Singer à son compagnon. Avez-vous révélé votre participation à Mask Singer à l'un de vos proches? Je l'ai juste dit à mon conjoint Florent Motte. Parce qu'il fallait justifier les disparitions, les répétitions et les primes, rire. Car à un moment donné, ça aurait été sujet à enquête pour lui, et il se serait posé de sacrées questions qui n'auraient pas été à mon avantage, rire. Il a rigolé, il m'a dit si est-ce marrant, et puis on a parlé des costumes. Il était même passé avec moi pendant qu'on les choisissait, et au début j'allais partir sur le hamster, il était mort de rire. Il m'a aidé à trouver la sorcière, car c'était en quelque sorte mon personnage dans la comédie musicale Le Roi Arthur, dans laquelle il a aussi joué dans le rôle titre. Moi j'ai joué la fée Morgane, qui était une fée, mais en réalité une sorcière. Appréhendiez-vous votre passage dans Mask Singer? Je me suis pas posé mille questions, je l'ai fait par instinct et pour sortir de ma zone de confort. Et puis je trouvais ça sympa, on n'a pas souvent l'occasion de prendre le répertoire des autres, de faire des covers, et de voir comment j'allais faire ces chansons-là. Je ne jouais pas ma vie, je voulais m'amuser. Qu'on me reconnaisse ou pas, qu'on dise du bien ou pas, je me suis dit qu'il était quand même assez bienveillant pour ne pas me le dire si j'étais nul, rire. Ce qui est rassurant aussi, si est qu'il n'y a pas que des chanteurs. Je ne voyais pas vraiment de danger à y aller. À lire aussi Zao en couple, qui est son mari Florent Motte.